Le tri robotisé par Robin montre la capacité de Veolia d'innover sur différentes thématiques dans la gestion des déchets, mais aussi sur des exutoires ou sur la préparation de matière. Aujourd'hui, en France, il y a 1 200 000 tonnes de déchets d'éléments d'ameublement. Écomobilier est l'éco-organisme en charge de la collecte, le recyclage et la valorisation de ces déchets. Notre objectif est de valoriser 100% des déchets que nous collectons. Veolia fait partie de nos prestataires historiques qui nous a proposé son innovation Robin pour un tri robotisé des déchets d'éléments d'ameublement. Robin nous permet de réaliser un tri de précision. Il fonctionne grâce à une analyse tridimensionnelle des images photographiées du flux. Elle est reportée sur la tablette de l'opérateur qui peut sélectionner les objets à trier. Et on va en ressortir les matières mousseuses, rembourrées, les ferrailles, les matelas propres, les plastiques et une petite fraction de refus. L'impact de ce robot, c'est un meilleur débit, une meilleure qualité de produit et de doubler notre productivité. Le bois va être chargé dans des semi-remorques pour être transformé en panneaux de particules. La fraction rembourrée est transformée en CSR, combustible, qui remplace des énergies fossiles comme le fioul, pour alimenter ensuite des fours de cimentiers. Le CSR permet, lors de sa combustion, de réduire les émissions de CO2. Deux avantages pour le cimentier. D'abord, un avantage environnemental et un avantage économique. Ça leur permet de réduire les achats de quotas de CO2. Grâce au projet Robin, on a vraiment changé de modèle de tri. On est passé d'un modèle plutôt artisanal à un process de tri complètement industriel, quasiment 100% automatisé. Ce projet est impactant car il permet de préserver la santé de nos salariés, de les faire monter en compétences. Certains trieurs en cabine sont ensuite passés conducteurs d'engins et aujourd'hui, ils sont conducteurs d'une ligne robotisée. Ma plus grande fierté sur le projet, c'est de voir que la ligne de tri fonctionne bien et que les opérateurs sont très contents de l'utiliser.